Jean-Paul Riopel est un géant de la peinture canadienne. Et pour qu'il reste vivant dans la mémoire collective, le gouvernement du Québec investira 10 millions dans la création d'un espace en son nom. Le futur espace de Riopel, on ignore encore ce que ça va être. On veut que ce soit un espace qui soit plus qu'utilitaire, qui soit lui-même inspirant. Pour qu'on se souvienne, il faut avoir des lieux qui soient exemplaires. D'où l'idée d'avoir un legs dans la foulée du 100e anniversaire de naissance de Riopel, qui soit un lieu de convergence, un lieu de diffusion. Selon l'historien, Jean-Paul Riopel a longtemps rêvé d'un tel lieu de création. Il s'agit donc en quelque sorte d'un cadeau pour l'artiste montréalais qui aurait fêté ses 97 ans mercredi. Riopel, il est dans le temps, mais il échappe au temps. Et il est québécois, canadien, mais il est de l'univers. Il est en quelque sorte partout. Et c'est cette dimension-là de Riopel que nous voulons bien servir. Des célébrations auront lieu en 2023 pour son centenaire. La Fondation souhaite notamment publier une chronique illustrée sur l'ensemble de sa vie.